Hey, salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode et dans cette introduction aux aventures en terre désolée, c'est-à-dire une partie en solo sur le jeu Fallout. Alors, pourquoi je sors le jeu Fallout alors que ça fait quasiment plus d'un an que ce jeu a une vie dans nos boutiques françaises? Ben, premièrement, parce que c'est un très bon jeu d'aventure. Vous allez voir, c'est un jeu dans lequel on va piloter un héros et on va voyager au travers d'un scénario, on va accomplir des quêtes et on va essayer de devenir la personne la plus influente dans la région afin de, par notre influence, imposer un peu notre volonté sur le reste des âmes qui vivent sur ce territoire. Alors, la deuxième raison, c'est parce que dernièrement est arrivé l'extension Nouvelle-Californie et que ben justement l'arrivée de cette extension m'a fait me dire que c'était une bonne excuse pour vous présenter le jeu de base, mais aussi je me suis dit que peut-être certains parmi vous étaient intéressés par savoir ce qu'il y avait dans l'extension. Du coup, ben vous allez avoir une bonne excuse pour regarder ces épisodes. Alors, on va se faire une petite présentation rapide quand même des deux jeux. Alors, les auteurs de Fallout, ce sont Andrew Fisher, qu'on connaît essentiellement pour son travail sur le jeu Rue Noire, qui est un jeu de miniatures de figurines. C'est un jeu de guerre, je vous en avais parlé sur ma critique de Héros de Terrynote, parce que ça se passe dans l'univers de Terrynote. Et un certain Nathan Adjek, qui, je crois, en est dans ses débuts dans le jeu de plateau. Au niveau de l'artistique, ben c'est l'œuvre de toute une équipe. On retrouve d'ailleurs Andrew Fisher, Nathan Adjek, Brian Schoburn, Evan Simonette et un certain Ben Ziffel. Pour l'édition, c'est Fantasy Flight Games qui s'en est chargé et c'est une collaboration avec Bethesda. Parce que au cas où vous ignoriez cette information, à la base Fallout c'est un jeu vidéo qui appartient à Bethesda. Bon, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et ça c'est dû à la thématique, parce que Fallout c'est un monde post-apocalyptique qui fait suite à une guerre où tout le monde a déclenché toutes les armes qu'ils avaient, nucléaires, bactériennes et tout ça. Donc on va se retrouver dans un monde un peu à la Mad Max, assez dur. Le jeu va évoquer des thématiques comme la criminalité, la violence, et vous allez voir, même dans ce scénario-là, on va carrément parler d'esclavagisme. Il y a aussi des objets qui sont de la drogue. Donc voilà, c'est un jeu qui a une thématique plutôt adulte. Et les parties sont comprises entre 2 et 3 heures. Donc, je vais morceler les épisodes afin que ça soit plus facile à regarder. Alors, pour l'extension, il y a une petite particularité. C'est qu'ils n'ont pas repris les mêmes designers. On va retrouver Brad Andress et Dan Belt. On retrouve donc pour Nouvelle-Californie Brad Andress et Dan Beltrami, qui sont des auteurs qui ont travaillé sur pas mal d'extensions d'autres jeux. Donc on a deux spécialistes des extensions. Et ça devrait annoncer que l'extension est plutôt intéressante. Mais je vais mettre tout de suite un tout petit bémol, c'est que vous allez voir, on a une extension qui vient certes rajouter quelques mécaniques, mais c'est surtout en fait une extension qui vient rajouter du matériel. Elle vient rajouter des scénarios, on va en reparler, mais elle vient surtout modifier les scénarios de base et modifier le contenu de base. Et justement, le scénario qu'on va faire, c'est un scénario de la boîte de base qui a été modifié dans l'extension. Pour le reste, y a aussi les artistes. Maintenant, on a Matt Bradbury. Et on retrouve Evan Simonette. Voilà. Pour le reste, c'est la même chose. Faut savoir que le jeu de base est autour des 55 euros, alors que l'extension, elle coûte quand même entre 35 et 40 euros. C'est quand même une extension qui coûte assez cher. Par contre, très honnêtement, à l'intérieur, on a vraiment un gros stock de matériel. Pour expliquer un peu plus profondément ce qu'il y a dans l'extension, il y a des nouvelles tuiles qui vont venir s'ajouter aux anciennes tuiles. Du coup, les scénarios ont des territoires qui sont plus grands. Il y a 5 nouveaux personnages, il y a 2 nouveaux scénarios, il y a des nouvelles cartes qui vont se rajouter au marché, au butin et aux objets uniques.
On a aussi des nouvelles cartes quêtes, mais voilà, on n'a que deux nouveaux scénarios et trois ou quatre scénarios qui ont été mis en mode avancé. Donc voilà, ça reste quand même une extension qui ne va pas complètement modifier le jeu. Bon, je vous propose qu'on les mette de côté et qu'on s'intéresse à notre aventure. On va suivre les aventures. J'ai choisi comme personnage, j'ai choisi une pistolero solitaire. Parce que je suis un grand fan des western spaghetti. Et donc, voilà, pistolero, western. Alors, ma pistolero, en fait, elle va avoir un objet de départ. C'est une arme. C'est sa fidèle pétoire. Et donc, ça lui confère... Donc, c'est une arme à distance. Ça, le symbole signifie que c'est une arme à distance. Et la particularité de cette arme, si vous arrivez à lire, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est tout simplement que... Tant que je la garde sur moi, même si elle est dans mon inventaire et que je porte, j'ai équipé en main une autre arme, et ben elle va lui conférer le petit L qui est là. C'est quoi ce L? En fait, c'est quand on tire, quand on fait l'action de combat à distance, si on a le petit pion S spécial L, et ben on aura droit à une relance. Par contre, l'inconvénient, c'est que on peut pas avoir de compagnon. Donc c'est normal, hein, puisque c'est normal, c'est thématique, vu qu'on est une pistolero solitaire. Ça veut dire que tant que j'ai l'arme sur moi, c'est-à-dire que je l'ai équipée, ou si à un moment donné j'équipe un autre pistolet et que elle je la garde dans mon inventaire, et eh ben j'aurai la possibilité de tirer tant que j'aurai un L. Et vous allez voir, en fait, la pistolero, elle vient avec un jeton spécial. Donc vous reconnaissez, excuse-moi, le dessin de la pistolero. J'essaie de vous le... Hop, voilà. On reconnaît le dessin de la pistolero. Donc ce jeton est spécial. Quand je le retourne, vous voyez le L. Donc de base, on a le L, ce qui va nous donner la possibilité, dès qu'on fait un combat, de pouvoir relancer un dé. En plus, le fait que ça soit une arme à distance, c'est plutôt cool, parce que beaucoup d'ennemis dans ce jeu sont des ennemis de corps à corps, et le fait que moi j'ai une attaque à distance, et ben ça va me permettre d'avoir une touche automatique. Alors, je vous présente notre pistolero. Donc voilà, je vous présente Carmen. Là on l'a mieux avec le focus. Alors à la base je voulais lui donner un look façon Calamity Jane, mais mon garçon, en ce moment, regarde les épisodes de Carmen Sandiego sur Netflix, et quand il a vu la figurine, il a dit « Oh, regarde, papa, t'as une figurine de Carmen Sandiego !» Donc voilà, je me suis senti obligé de lui donner un petit look latino et de la peindre en rouge comme Carmen Sandiego. Donc, en l'honneur de mon garçon, mon mini meeple à moi, on va l'appeler Carmen. Allez, c'est Carmen, c'est notre pistolero. La chose qu'il faut faire quand on commence une partie, c'est de piocher un deuxième jeton S spécial. Donc ça s'appelle, je les appelle S spécial, mais en fait ils s'appellent juste spécial parce qu'ils vont former les lettres spéciales. Et en fait, c'est nos attributs. Donc L, ça représente la chance. A, c'est l'agilité. I, l'intelligence. C, le charisme. E, c'est l'endurance. P, c'est la perception, et S, c'est la force. Alors, normalement, ces jetons-là, vous les prenez et vous les étalez sur la table et vous en piochez un. C'est-à-dire qu'en fait, les jetons ont deux faces, je vous en montre un. Ils ont la face avec le petit bonhomme de Fallout et l'autre, c'est la lettre. Donc, normalement, vous les étalez et vous les piochez au hasard. Sauf que moi, je trouve ça plus fun de les mettre dans un sac et de plonger la main. Donc voilà. Alors, tac tac tac, je commence avec le A. Donc, hop là, A pour agilité. J'ai de l'agilité et j'ai de la chance. Ça, c'est mon marqueur de points d'expérience. Au début de la partie, il va commencer ici, avant le S.
Chaque fois que je vais gagner de l'expérience, je vais le déplacer jusqu'à mon premier jeton spécial, donc le A. Puis quand, par exemple, si je gagne 2 points d'expérience, je vais aller faire A, L. Si je suis sur le L et que je gagne un point d'expérience supplémentaire, je reviens ici et à ce moment-là, je monte d'un niveau. Chaque fois que je vais revenir ici, je vais monter d'un niveau et je vais avoir la possibilité d'aller piocher un autre jeton aptitude. Donc, au cours de la partie, on va augmenter nos aptitudes. Ça va être quoi l'intérêt? C'est très simple, il y a des quêtes qui vont nous demander de faire des tests d'agilité, par exemple. Et ben, quand on aura un test d'agilité, parce qu'on a le A, on aura le droit de faire une relance. Ça, c'est notre jeton radiation. Rappelez-vous, guerre nucléaire, guerre bactérienne, il y a des zones irradiées. Donc pour l'instant, on est à 0. Et le rouge qui est là, qui est sur le 16, c'est nos points de vie. On commence avec 16 points de vie, on a 0 radiation. Le problème, c'est quand ces deux jetons-là vont se rencontrer, et ben notre personnage sera KO. Je vous fais le reste du tour du propriétaire. Donc, ça c'est le scénario. Ça c'est le scénario. On a le titre du scénario. À l'arrière, vous voyez, on a la carte. Donc sur la carte, vous avez les lieux. Donc ça, c'est des tuiles particulières qui sont recto verso et qui ont des lieux inscrits dessus. Donc on a Haven, le pont, la scierie qui sont là-haut. Bon, là, ils sont un peu flous à cause du focus. Et le camp de départ où on commence. Donc c'est là où on a mis Carmen. Toutes ces tuiles-là sont placées de façon aléatoire et celles-ci aussi. Donc celles-là, c'est des tuiles difficiles et ça, c'est des tuiles très difficiles. On va pouvoir le résumer comme ça. De l'autre côté du scénario, on a les deux factions. Donc on a les esclaves rebelles, exploités jusqu'à la mort dans la scierie de Pitt. Les esclaves se sont révoltés. Donc là, ils sont de niveau. Ça veut dire que c'est un ennemi de niveau 1. Ça veut dire que les esclaves vont peut-être nous attaquer. Pour les toucher, il va falloir leur tirer dans les bras et dans le bide avec les dés. Le 1, l'astérisque qui est là, c'est pendant un combat, infliger X1 supplémentaire. C'est-à-dire que c'est des touches que lui va me faire, c'est des dégâts que moi je vais prendre. Donc voilà, les esclaves, ils vont nous faire plutôt mal. Par contre, les esclavagistes, eux, menés par le chef des pillards Ashur, les esclavagistes règnent sur les habitants de Pitt en prétendant chercher un remède à une maladie qui décime la population. Donc en fait, ils se font passer pour des bienfaiteurs, mais ils ne le sont pas du tout. Alors, vous voyez par contre, eux, là, ils ont un Y. Donc là, on avait une petite astérix. L'astérix nous disait que eux, ils allaient infliger le X en dégâts supplémentaires. Donc tant qu'ils sont dans le vert, ils vont infliger 2 dégâts. Quand ils vont être dans le orange, ils vont infliger 3 dégâts et dans le rouge, 4 dégâts. Ben eux, c'est leur niveau. Vous voyez, là, on avait niveau 1. Là, le niveau, c'est Y. Donc, leur niveau va dépendre de s'ils sont dans le vert ou dans l'orange. Donc, tant qu'ils sont dans le vert, ça me prendra une touche pour les tuer. Dans l'orange, ça me prendra 2 touches. Et dans l'espèce de orange presque rouge, 3 touches. Dès qu'un jeton arrive dans le rouge, eh ben, c'est l'un des deux camps qui a gagné. Et moi, j'ai perdu la partie. Puisque comme je vous l'ai dit, mon objectif à moi, c'est de devenir la personne la plus influente pour justement imposer mon influence sur la région. Alors, on a aussi ici le carte de deck ennemi. Ce sont des cartes, je vais en piocher une, je vais vous la montrer. Parce que je suis censé commencer avec une de ces cartes-là. Ceci sont des cartes d'influence. C'est grâce à elles que je vais pouvoir mesurer mon influence. Je commence la partie avec un point d'influence. Et généralement, en dessous, j'ai une condition pour augmenter les influences de cette carte. Donc, par exemple, là, ça me dit, pour chaque emplacement où l'étoile a progressé au-delà du bouclier, eh ben, je vais gagner un point. Par exemple, dans ce cas-là, le bouclier est là. Et l'étoile a une, deux, trois cases, elle a progressé de 3 cases par rapport au bouclier. Ça veut dire que cette carte-là va me ramener un point d'influence plus 3 points, donc elle va me ramener 4 points. Donc j'ai intérêt
d'un certain côté à faire augmenter l'étoile pour remporter la partie. Ça tombe bien, c'était mon objectif. Donc j'ai trois capsules. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la suite. Alors, sur cette carte, vous avez un petit numéro avec un plus. C'est tout simplement lorsque vous jouez en solo, vous prenez les cartes 1 plus. Lorsque vous jouez à 2, vous prenez les cartes 1 plus et les cartes 2 plus. 3, vous prenez les 1 plus, les 2 plus, les 3 plus. Bon, je pense que vous avez compris. Et là, en fait, quand on les joue en carte ennemie, on va en piocher une. Et ici, il y a écrit les ennemis qu'on va bouger pendant le tour. Alors, il me reste une seule chose à faire, c'est les scénarios. Alors, les scénarios, ils sont donnés ici. Donc on va avoir le scénario 56. Et ça, ce petit symbole, c'est dû à l'extension. C'est parce qu'il y a plusieurs cartes 43 et 44. Je vais devoir les prendre, les mélanger et en piocher. Donc une 43 et une 44. Il y a aussi ici la condition qui me dit pour que je place un pion, donc un esclavagiste sur Haven et un pion esclave sur la Syrie. Donc je vais le faire tout de suite. Donc notre esclavagiste, il est là. Et notre, je fais là toi, esclave, il est sur la Syrie. Alors 56 et 243 et 244. Alors hop, ça c'est notre première quête. Donc, vous voyez, j'ai deux cartes 243, donc je les mélange. J'en prends une et j'ai trois cartes 244, donc je les mélange et j'en prends une. Voilà, une fois que c'est fait, je range les autres et vous avez vu, c'est des cartes. Je vais placer le scénario. Ce sont des cartes qui ont un dos comme ça parce qu'elles vont aller dans le deck de cartes rencontre de la colonie. Donc quand on doit installer des cartes comme ça dans le deck colonie, en fait on pioche autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc en solo on en pioche une et j'en ai pioché deux. Et en fait vous les mélangez comme ça et après vous les allez les installer sur le dessus du deck. Allez hop. Voilà, donc c'est deux cartes qui devraient ressortir assez rapidement si on fait des rencontres dans des colonies. Voilà, j'ai installé un premier marché, donc on installe toujours quatre cartes de marché. Et parce que parfois, vous allez voir, on va pouvoir les piquer des cartes ou des choses comme ça. Donc il faut toujours avoir quatre cartes de marché qui sont sorties. Et puis vous voyez, j'ai installé les autres decks un peu partout autour, comme je pouvais, pour avoir le maximum deux places sur la petite table. Ok, je vous propose qu'on lance le début de la partie, puis on va couper pour le premier épisode, histoire d'avoir un épisode qui fait à peu près 40 à 45 minutes. Alors, on rentre dans l'aventure. Carmen arrive ici au camp de la croisée des chemins. Donc je peux commencer sur n'importe quelle case de la tuile. On va commencer ici. Vous tombez sur un type fuyant ces nouvelles terres désolées. S'il vous plaît, commence-t-il, si vous voyez mes amis, dites-leur que j'ai réussi. Il est possible de s'enfuir. Et quoi que vous décidiez, ne dites pas aux esclavagistes que vous m'avez vu. Alors, les cartes quêtes, je vais vous scanner le petit bout de la quête par là. En fait, vous devez savoir que les cartes quêtes vont vous proposer différents choix. Donc pour l'instant, on n'a que deux choix. Le premier choix, c'est de dénoncer l'esclave en fuite. Et le deuxième choix, c'est d'informer les amis du fugitif. C'est ce qu'on va faire. Donc, il faut trouver une terre désolée et faire une action sur la terre désolée. Ok, donc la terre désolée, c'est le symbole comme ça, là, les espèces de ruines que vous voyez sur le deck qui est juste là. Ok, donc, je commence, c'est parti. Carmen est en action. Donc, Carmen vient de rencontrer un esclave qui avait réussi à fuir
et qui lui a demandé de prévenir ses amis. Alors elle avait le choix, soit elle le dénonce, soit elle prévient ses amis, et elle va faire le choix d'aller prévenir ses amis. Alors, à son tour de jeu, un joueur peut faire deux actions parmi les cinq qui lui sont proposées. Première action, il peut explorer une tuile. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prend la tuile et il la retourne. Deuxième action, il peut se déplacer. Il a deux points de mouvement et il peut se déplacer donc de deux zones. Une zone, c'est défini par les petits traits blancs que vous voyez. Donc, par exemple, 1, 2, voilà, ça c'est un déplacement. Quand il y a des terrains rouges comme ça, ça me prend deux points de déplacement pour rentrer dedans. Donc ça me prend tous mes déplacements et je m'arrête. C'est généralement c'est des montagnes, c'est des terrains difficiles. Donc je suis obligé de m'arrêter dedans. Ici, vous le voyez peut-être pas très bien, mais on a quatre terrains verts qui sont marqués par des signes de radiation. Je vais essayer de vous les amener de plus près. Alors, on a des terrains verts qui sont ici. Ben ici, en fait, c'est des terrains où on se déplace normalement comme les terrains blancs. Sauf que, ben, c'est des zones irradiées. Donc, présentement, on a, comme vous pouvez le constater, 5 ennemis sur le plateau. Les ennemis, on va les placer en début de partie. Je vais vous le remonter sur cette carte. En fait, quand on retourne une carte, on a un symbole. Donc là, c'est le symbole monstre. Donc on pioche un jeton monstre et on le place tout simplement dessus. Là, donc ça c'était l'action de déplacement. La troisième action, c'est celle de combattre. Donc ben, pour ça, il faut qu'il y ait un ennemi proche. Les combats au corps à corps, il faut être dans la même zone que l'ennemi. Et les combats à distance, comme c'est le cas de Carmen, il faut être sur une case adjacente. Lorsqu'on va faire les combats, on va lancer les dés. Ensuite, donc ça c'était la troisième action. La quatrième action, c'est de faire une action de quête. C'est ce qu'on doit faire pour résoudre la quête qu'on a présentement. Donc il faut arriver sur le lieu et faire une action de quête. C'est automatique. Ou alors, on peut faire une rencontre. Pour faire une rencontre, ben, c'est la même chose que pour une action de quête. Sauf que ben, on va piocher une carte dans le deck qui est là. On va la lire et on va la résoudre. Bon, on va se faire un petit instant correctif parce que je veux apporter une précision sur deux choses. Tout d'abord, il n'y a pas 5 actions mais bien 6. Donc je vais vous énumérer dans quelques instants une sixième action. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, au moment où j'ai fait l'explication, j'ai groupé les actions de quête et les actions de rencontre sous une même action. Mais ce sont bien deux actions différentes. En fait, les actions de quête se font aussi sur les colonies ou sur les terres désolées. Mais ce n'est pas du tout la même chose. On ne pioche pas une carte, on ne fait que résoudre une quête ou on effectue un test si la quête nous le demande. Voilà. La deuxième précision, c'est que je vous ai dit que vous deviez réaliser deux actions parmi les six que le jeu vous propose. En fait, vous devez savoir que vous pouvez faire deux fois la même action. C'est en fait comme si vous aviez deux points d'action et pour votre premier point d'action, vous choisissez parmi les six et pour votre deuxième point d'action, vous choisissez encore parmi les six actions. Il n'y a que les actions de rencontre que vous ne pouvez faire qu'une seule fois. Les autres actions peuvent être faites deux fois pendant votre tour. Voilà, maintenant que la précision est faite, on passe à la sixième action, l'action de campement. Retour à la vidéo. Enfin, la dernière action, c'est l'action de campement. Cette action-là, tout simplement, c'est celle de se reposer. Ça va nous permettre de nous régénérer 3 points de vie, mais si on a des compagnons avec nous, parce que les compagnons, pour les activer, vous devez en fait vous devez incliner votre carte, un peu comme un Magic, et il reste incliné jusqu'à ce que vous fassiez une action de campement. À ce moment-là, il y a des conditions pour les remettre droit. Mais bon, Carmen, c'est une pistolero solitaire, donc elle est sans compagnon. Tant qu'elle a sa fidèle pétoire, elle n'a besoin de personne d'autre. Alors, j'ai mes deux actions. Première action, je propose de faire une exploration.
Alors, cette tuile ou cette tuile? Je dirais celle-ci, parce qu'il faut que je progresse à un moment donné, à mon avis, par là. Donc, on va explorer cette tuile-là. Je vais lever Carmen. Ah, on a une colonie. On a découvert une colonie. Alors, en plus, c'est une tuile de l'extension. Parce qu'il y a le petit signe de l'extension. Vous ne le voyez pas, c'est trop loin. Donc, on a découvert la colonie. Le wagon couvert. Donc, c'est une colonie de niveau 2. Là, ça, c'est le petit logo de l'extension. Bon, le problème, c'est que la colonie, c'est si j'avais voulu le dénoncer. Moi, je veux pas le dénoncer. Donc, ben, je vais essayer d'explorer cette tuile-là, on sait jamais. Donc, hop, oh, voilà. Alors, là, on a, sur cette tuile, on a un ennemi humain. Donc, on va aller piocher un jeton humain. Et on a trouvé un lieu, Terre Désolée, de niveau 3. Et c'est le camp des pillards. Donc, j'installe le camp et on va révéler un pillard. Ok, c'est un ferrailleur, il est niveau 1, faut lui tirer dans les jambes pour lui faire des dégâts. Et les deux symboles qui sont là, c'est ces deux caractéristiques. La première, quand on le tue, on va pouvoir gagner un butin, mais si on n'arrive pas à le tuer, il va se mettre comme ça, et quand il est comme ça, et ben on ne peut plus l'attaquer. Voilà, ça c'est la particularité. On retourne sur le bon focus. Donc j'ai fait mes deux actions, c'est aux ennemis, donc on pioche une carte. C'est parti. Alors, on lit la ligne. Ici, d'abord, on va bouger les boucliers, ensuite les bestioles et ensuite les robots. Des jetons bestioles, il n'y en a pas présentement sur le plateau. Par contre, on a un bouclier, il se déplace. Les ennemis se déplacent toujours vers nous, ils veulent nous attaquer. Dans un jeu en multi, ils se déplacent toujours vers le héros le plus proche, mais en solo, ils se déplacent vers vous. Donc le bouclier, et ça c'est le robot. Le robot c'est un Mr. Gusty, excusez-moi. Il est de niveau 2, faut lui toucher dans les jambes pour. Faut lui toucher dans les jambes. Oula, mon anatomie. Faut lui tirer dans les bras pour le toucher. Et voyez, il a la possibilité d'attaquer à distance. Donc il va être plutôt embêtant. Donc le robot aussi, il se déplace vers moi. Voilà, ça c'est la fin du premier tour. C'est de nouveau à moi. Là, j'ai mon jeton. Je le mets pas du côté, c'est pas bon. Je vais pas aller au corps à corps, ça sert à rien. Bah quoi que. J'aurai pas de relance au corps à corps, il faut que je fasse que des jambes. Donc non. Carmen va faire sa première action, elle va se déplacer, elle va monter sur la montagne. Donc pour monter sur la montagne, ça lui coûte ses deux points de déplacement, donc elle ne se déplacera que d'une zone. Hop, elle est sur la montagne. Une fois qu'elle est là, elle va tirer sur le pillard. Elle a une touche automatique, donc en fait je suis même pas, alors comme je vous ai dit, elle a une touche automatique parce qu'elle a une arme à distance et pas lui, et je suis même pas obligé de, normalement je la touche sans l'aider, sauf que je suis quand même obligé de lancer les dés parce que lui potentiellement il peut me faire des dégâts. Alors justement, je vous montre ça. Alors, vous voyez là, voilà, j'ai fait les bras, donc je lui tire dessus, mais voyez les petits points là, ben, ça c'est les dégâts que lui me fait. Bon, ce dé là est très embêtant, heureusement j'ai droit à une relance grâce à ma pétoire fidèle, donc je vais relancer ce dé là, parce que j'ai une chance sur 6 de refaire cette face. Ok, bon. Il me fait quand même 3 dégâts. C'est une petite mise en jambe hein, pour l'instant. C'est pas trop ça.
Alors, il est niveau 1, donc je gagne 1 point d'XP. J'ai pris mes 3 dégâts. Et je peux tirer un butin. Oh, intéressant. Alors, j'ai une arme de fortune. Alors, l'arme de fortune, en fait, elle me donne P et A. Pour l'instant, ça ne me sert à rien. Mais potentiellement, ça peut être intéressant parce que ça me donnerait 2 relances plus le L. Potentiellement, ça me donnerait 3 relances. Sauf qu'il faut dépenser une capsule pour pouvoir avoir une relance. Sinon, on ne peut pas avoir 2 relances. Du coup, les relances, faut les payer. Bravo. Donc, pour l'instant, je vais la mettre dans mon inventaire. Disons que j'ai déjà vu mieux. Donc, lui, on le défausse. Et on va piocher une nouvelle carte ennemie. Bon, le jeton qu'on vient de piocher, on le met face cachée. Pour l'instant, il n'est pas actif, donc on pioche une carte. Ok. Sur la carte ennemie, ça indique les super mutants. Pour l'instant, sur le plateau, j'en ai pas, puisque j'ai un monstre ici, un robot et deux humains. Donc pas de super mutant. Paf, on défausse la carte et je vais pouvoir faire mes actions tranquilles. Quand je sors de la montagne, ça ne me coûte qu'un seul point de déplacement. C'est important, je vous le précise avant. Donc Carmen, sa première action, elle va se déplacer, elle rentre dans le camp ennemi et là, elle va réaliser l'action de quête pour sa deuxième action. Et ça nous dit, je vous les mets par là, ça nous dit étoile avec un petit plus. Ça veut simplement dire que l'étoile va progresser d'une case par rapport au bouclier. Ensuite, je dois placer un jeton étoile sur ma case, donc j'ai un esclave qui apparaît ici. Et je peux tirer 2 cartes butin. Oh, ça c'est bien ça. Alors, ma première carte butin, c'est des pour une poignée de capsules. Je viens de gagner 3 capsules. C'est des capsules de Nucola. En fait, c'est la monnaie. J'en ai 3 moi au départ. Et l'autre, c'est une mine à capsules. Tout simplement, c'est un objet. Je peux le laisser sur une case et si j'ai un ennemi qui rentre sur cette case, il explose. Donc, j'ai mis hop, la mine dans mon inventaire et celle-là, je la défausse et je vais aller chercher mes capsules. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est hop, je vais troquer. Ah, je l'ai mis là le jeton. Je vais troquer 2 capsules, comme ça, avec celle que je viens de gagner, ça me fait 5 capsules de Nucola. Parfait, parfait, parfait. Du coup, ça dit ensuite que je dois installer la 58 et la 67 et que je dois détruire cette carte. Donc détruire, ça ne veut pas dire que je la prends, je la déchire. Hein. C'est pas un jeu Legacy. Ça veut dire qu'on la remet dans le... Excusez-moi. On la remet dans le... Non, c'est parce que le terme détruire, excusez-moi, je rigole parce que je sais pas pourquoi ils ont utilisé le terme détruire. Ils auraient pu mettre ranger. Détruire, ça a quand même le sens, voilà. Ça a quand même le sens du jeu Legacy. Alors, 58 et 67. Donc, on a prévenu, Carmen vient de prévenir les autres esclaves que le petit gars qu'on a rencontré avait réussi à s'enfuir. Et donc que la fuite est possible. Sauf qu'il semblerait que ça soit pas l'objectif que se soit fixé ses amis. Alors, la quête 58, elle nous dit « À l'aube de la guerre ». Il s'avère que l'esclave en fuite appartenait à un groupe de résistants. Sans son aide à Asbury, l'assaut qu'il prévoit sur Haven est compromis. Ok, en fait, il faisait partie d'un groupe et le gars il s'est barré alors que normalement, il aurait dû mener la guerre avec ses amis. Pas très cool finalement. Rassembler des informations sur la résistance. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, trouver quelqu'un pour remplacer le déserteur. Le problème de ça, c'est qu'il faut que je trouve la route d'Asbury
et que il faut que j'aie un compagnon. Sauf que je peux pas avoir de compagnon à cause de ma vieille pétoire. Donc, je vais devoir rassembler des informations sur la résistance. Bon, rassembler des informations sur la résistance, ça ne veut pas dire que je l'ai trahi. Ça veut simplement dire que Carmen va chercher à se renseigner sur eux. Ok, ça peut être intéressant de faire ça. Alors, donc j'ai fait mes deux actions. Si au prochain tour je suis tranquille, je pourrais faire une rencontre ici, potentiellement. Ça peut être pas mal ça. Allez. On va tirer une carte ennemie. Hop là. Oh, ça c'est sympa. Pour l'instant, on a pas mal de chance sur les ennemis, puisque vous voyez ici, on a tiré les bêtes. Et il n'y a pas de bêtes en jeu. Ah ! Du coup, pas de bêtes. Je récupère mes deux points d'action. Première action, déplacement. Donc j'ai deux points de déplacement. Je vais faire 1 et 2. Là, j'ai ma colonie qui est ici. Donc je vais utiliser mon deuxième point d'action pour refaire un déplacement. Par contre, je vais me déplacer que d'une case. Donc je vais aller ici. En fait, je pourrais faire 1, 2 là, si je voulais dépenser tous mes points. Mais bon, vous avez compris le but. Je vais arriver dans la colonie. Donc voilà, c'est le tour des ennemis. Ok, donc cette fois-ci, par contre, on a des ennemis qui vont bouger et ce sont les esclavagistes. Donc l'esclavagiste, il est là-haut. Ah non, il avait déjà bougé tout à l'heure. Donc, Haven, hop, il descend vers nous. Et le super mutant, il n'y en a pas. Parfait, ça revient à moi. Il me faut de l'influence. J'ai pas lu la quête 67, hein. Je m'en excuse. Je vous ai pas lu la quête 67. Alors, chaque année de nouveaux malheureux arrivent dans les terres désolées, affirmant avoir été bannis d'un bunker souterrain d'avant-guerre, bâti par une société appelée Voltec. Cela pourrait valoir le coup d'enquêter. Ok, donc... La plupart des exilés... Alors, premier choix. La plupart des exilés des abris finissent entre les griffes des pillards. Ces derniers ont peut-être des informations à fournir. Il faut juste que je tue un personnage humain. Un ennemi humain. Ouais, c'est pas mal. Et ça me donnerait un point de prestige. Ou alors, il faut essayer de retrouver un ancien exilé prêt à vendre des informations. Pour ça, il faudrait que je possède 4 capsules et je ne les possède pas. Alors, je vous propose d'abord de faire une rencontre. Comme ça, je vais essayer d'aller acheter de l'équipement. Et potentiellement de faire... Ah mais si, je les possède, j'ai 6 capsules. Je suis bête, moi. Ok, on va faire ça. J'ai les 5... Carmen a, je devrais plutôt dire, les capsules, vu qu'elle en a 6... Donc, Carmen, elle se propose... Alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Carmen, elle va rentrer dans la colonie du wagon couvert et elle va chercher des informations. Elle va chercher un ancien exilé et elle va le payer en capsule pour avoir des informations. Et voilà. À ce moment-là, je gagne une carte intrigue. Donc, je la pioche. Oh c'est la même que celle que j'avais. Et elle va empêcher les esclaves et les monstres de bouger. C'est bien de la sortir. Donc là, présentement, j'ai 2 points plus... Alors, mes cartes, elles me coûtent 2 points. Parce que l'étoile a progressé de 1 par rapport au bouclier. Alors, là, pour l'instant, j'ai 4 points. C'est bien. Sauf que dès que je vais faire avancer le bouclier, c'est fini. Et je dois sortir la carte quête 69. Alors, le premier qui dit carte érotique, j'y avais pensé avant. j'ai l'esprit pervers. Oh là là.
Si ma femme m'écoutait, elle me gronderait. Alors, et on détruit l'autre, donc ça veut dire qu'on la range, c'est fait. Forcer la porte. Les infos récoltées en ville laissent penser qu'il y a des gens enfermés dans l'abri, mais qu'ils sont très hostiles envers les étrangers. Peut-être est-il possible de s'y infiltrer. Ça pourrait être pas mal, parce qu'on pourrait trouver de l'aide par rapport justement au conflit entre les esclaves et les esclavagistes. Ok. Donc, 1, je peux forcer la gigantesque porte métallique cachée dans la montagne. C'est un... Il faut d'abord que je trouve l'abri 84 et il faut que je fasse un test de difficulté 4 et il me faudrait les lettres S et E pour espérer avoir des relances. Deux lettres que je ne possède pas, bien sûr. Ou sinon, mettre une sous-station voisine en surcharge pour ouvrir la porte. Ça, ça a l'air sympa. Là, il faut trouver la station de Red Rocket. Et là, par contre, c'est P et I. J'en ai aucun des deux. Et il faut que... C'est un test de difficulté 4. Bon. Comment dire? Ok. Je vais me dépêcher parce que je vois le temps qui défile. Je vais piocher une carte rencontre. Oh, intéressant. Vous trouvez une mallette contenant des documents sur un abri d'avant-guerre. Tiens, un autre abri. Il est clair que quelqu'un a malencontreusement égaré ses papiers. 1. Étudier les documents ou, deuxième possibilité, chercher le propriétaire de la mallette. Non, trop long de chercher. On va regarder les documents. Vous découvrez l'emplacement de l'un des abris secrets. Installé 203. Et on détruit cette carte. Oh bah ça c'est intéressant. Donc ça c'était l'une des fameuses cartes dont je vous avais parlé avec le symbole. Là c'est la 243 qu'on avait installée dans le paquet de rencontres. Et c'est une carte qui mène à une quête vers un abri. Alors on va piocher, on va chercher. L'abri du désert. Alors, un abri a été découvert dans un coin désertique des terres désolées. Les premières observations n'ont pas révélé la présence de survivants. Vous parvenez à trouver les coordonnées de cet abri avec une facilité relative. 1. Entrez dans l'abri du désert. C'est l'abri 44. Oh, vous savez quoi, c'est drôle ça. C'est le fameux abri qui est sur la couverture de Nouvelle-Californie. On a la potentialité de trouver cet abri. Ou alors découvrir ce qui... Alors en fait c'est une quête qui est double. D'abord il faut trouver l'abri et ensuite il faut découvrir ce qu'il est devenu. Mais d'abord on doit trouver l'abri. Parce que pour faire l'action numéro 2, qui est découvrir ce qu'il est advenu des résidents de l'abri, faut effectuer une rencontre. Or pour l'instant le deck rencontre dans l'abri 44, il n'est pas installé. Ok, c'est un abri à trouver. Bon, parfait, j'ai fait mes deux actions, on passe vite à la phase d'ennemis. Allez, hop, qui c'est qui bouge? Ce sont les humains qui vont bouger. Et ça tombe bien parce que j'ai une quête qui est liée au fait de laisser un humain ou pas en vie. Alors, des humains, il y en a deux sur le plateau. Il y a lui qui est là, donc qui s'était déplacé ici et qui va venir ici. Alors, je ne sais pas si c'était... Est-ce qu'il s'était déplacé? Laisse-moi vérifier ça. Est-ce qu'il a déjà... Donc non, on n'a jamais eu d'humain, j'ai vérifié. Donc il a dû être bougé par mes gardes. Donc on va le déplacer. Hop, il se déplace vers moi. Donc il rentre sur cette case. Lui, qui était inactif, va s'activer et il va se déplacer vers moi. Alors, là, on a... C'est un pillard crasseux. Il est niveau 1. Par contre, il a le bouclier, ça veut dire que ça prend forcément deux touches pour le toucher et il tire à distance. Et ici, plus proche de moi, on a un chasseur de primes. Il faut faire bras et pieds. Il est niveau 2, donc ça prend deux touches. Il attaque à distance et il va me donner aussi un butin. Donc mon chasseur de primes qui en a après
Carmen, il est là, et mon crasseux aussi. Je ne sais pas ce que Carmen a fait pour avoir un chasseur de primes, à mon avis, c'est pas clair, cette histoire. Allez, je vous propose qu'on s'arrête là, et on se retrouve pour un prochain épisode, justement, d'aventure en Terre des Oeufs.